On est avec nos amis David et Samuel. On est sur le Alice Cooper, I'm 18. On est dans l'intro, mais en fait, cette intro, ça fait partie du chorus aussi. Hein. Ils sont joués de la même façon. C'est-à-dire, c'est les parties où on monte sur une gamme diatonique, comme j'ai expliqué hors caméra, sur une gamme diatonique de La mineur, La, Si, Do, Ré, Mi. Mais sur chacun des degrés de cette gamme, on joue un accord de quinte. Ok, donc, sur un groupe de trois guitares, il y a deux guitares qui font ce job, et la troisième guitare, la lead, elle fait cet effet de slide trombone. On a déjà appris, hein. Donc, c'est-à-dire, l'index sur un mi. Et les autres doigts, plusieurs doigts, hein, vous connaissez déjà la technique, qui vont chercher la corde qui est juste en dessous, mais décalée de trois cases. Et on amène progressivement le bend pour aller rechercher la première note. Avec le même placement rythmique que les accords. Donc ici, pour se préparer à cette éventualité d'avoir une rotation, on va faire comme ceci, on va tourner sur ce thème. À 90 BPM, je vais commencer, puis c'est David, puis c'est Samuel. Okay. Et pour la petite histoire, apprenez à gérer vos micros et votre volume. Quand je suis en solo, mon volume est à fond et mon sélecteur est sur un micro approprié, soit le bridge, soit le neck. Okay. Et dès que vous repassez en rythmique, vous choisissez. Donc c'est important hein, d'agir et de travailler comme ça, de travailler avec son volume. Ok, on y va. Et 1, 2, 3, 4. On a tellement de choses à penser qu'on se plante et ne joue pas les bonnes notes. Exactement. Mais, voilà. Mais bon, ben, ça arrive quoi. J'ai fait okay. Un ré bémol à la place d'un mi. Voilà, ouais. C'est pas terrible. Ouais. Mais bon.